Allez, salut, bienvenue amis pilotes, bienvenue sur la chaîne LRT. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Assetto Corse. Donc petite vidéo sur Assetto Corse, ça fait un petit moment que je suis pas allé. Et là, quelques pépites est arrivé, quelques mods est arrivé. Donc comme vous le voyez, on va parler de la Peugeot 406 BTCC des fins des années 90 qui a été fait par notre équipe de modeurs VRC. Donc c'est une équipe de modeurs italienne qui a déjà fait un pack, premier pack avec quatre voitures, il me semble, de BTCC fin 90. Il me semble qu'il y avait la Ford, la Honda, la Nissan et il me semble qu'il y avait la Vauxhall. Ça doit être ça, il me semble qu'il doit avoir ça. Et là, on s'attaque, ils nous ont fait un deuxième pack. Donc comme vous voyez ici, nous avons la 406. Donc je vous montre un peu les skins. Bon, un peu pété, les skins sont pas terribles. Bref, moyen, c'est le même. Celui-là, bof. Ouais, ils sont dégueux. Ouais, celui-là, ça passe. Bon, celui-là, eh bien, celui-là est pas mal. Là, je viens de télécharger ça d'une équipe belge. Et s'il y a celui-là, nous, on va peut-être... On va se mettre celui-là. Ouais, on va se mettre celui-là. Hop. Et ah, je vais vous montrer. Et aussi, nous allons aussi. On a eu dans le pack. Donc que je la trouve. Toc 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 toc. Voilà, ici. Voilà, la Renault Laguna. Donc je vous montre un peu les skins. Elle fera partie d'une prochaine vidéo. Celui-là est pas mal. Ouais, celui-là, elle est simple. Celui-là, ouais, celui-là qui est assez connu. Bon, c'est horrible. Les skins sont horribles. Franchement, ouais. Ça va, celui-là est pas mal. Bon, vous me voyez, c'est pas écrit Renault, c'est écrit Renoir. Question de licence. Voilà, Lagoon, c'est pas Laguna. Donc voilà, les fameuses. C'est Jean-Christophe Billon de Pato et... Ouais, plateau et bouillon, voilà. Donc on verra ça, prochaine vidéo. Nous, on va commencer par la Peugeot, donc 406, que je la retrouve. Hop, hop, parce que j'en ai tellement. Elle est où, elle est où, elle est où? Ah, elle est là, voilà. VRC. Donc nous, on va partir sur celle-là, hop. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer... Dans le showroom, un peu. Non, ça c'est pas le showroom. J'ai dit le showroom. C'est pas le showroom. Voilà. On va aller détailler cette 406. Bon, modélisation, elles sont bien. Elles sont bien. Est-ce que les portes s'ouvrent? Hop, je sais plus. Non, c'est pas là, je crois. Si. Si. Ouais, elles s'ouvrent. Ouais. Nickel. Là, la caméra là-haut. Voilà. Hop, hop, hop. On va m'ouvrir cette porte-là pour un peu plus voir à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc la modélisation est pas mal, hein. Franchement, elle est bien faite, hein. C'est des bons modeurs, ils font des bons modes. Bon, un peu. Un peu pixelisé là, mais bon, c'est pas grave. Elle est par terre cette voiture. Ouais, voilà, le lion est aussi. On voit que c'est une 406, mais bon, le logo est pas fait. Je pense que ça va venir après. Donc voilà, je vous ai montré cette 406. Hop, on va aller se faire quelques tours de piste, essayer. On va aller dans un circuit anglais. Hein. Hop. On va se faire ça. On va se faire ça. Allez, sur Oulton Park. Ouais, allez. Hop. On va se faire ça comme ça.
Allez, on se retrouve à l'entrée des stands et on va voir ce que donne cette petite 406 par rapport sur Air Factor. Bon, j'en avais déjà aussi des 406, cette 406 BTCC, mais d'un autre moteur. Mais avec VRC, généralement, c'est du bon boulot. Allez, comme je vous ai dit, on se retrouve à l'entrée des stands. Allez, nous voilà à l'entrée des stands. Je vous la montre de nouveau un peu d'extérieur. Voilà, comme ceci. Non, elle est bien faite, hein. Franchement, la modélisation est pas mal. Hein. Nous, on va se mettre. Allez, on va se mettre à l'intérieur. Hop, voilà, comme ceci. Je vais dégager le. Ça doit être ça. Voilà, parce qu'on a les. Hop, on va la démarrer. Voilà. Ouais, super bruit, hein. Ah non, période hiver là, il fait déjà nuit. Le bruit est sympa. Hein. Pas pour attaquer, les pneus sont froids. Ah, je croyais que j'avais pas mis la chicane. Ah, la calée. Ah, je croyais que j'avais pas mis la chicane. C'est pas grave, je le ferai après. Ah, elle a l'air d'être sympa, hein. Sourire. Alors, on va faire un tour, on a essayé de chauffer un peu les pneus. Ah, c'est sympa, hein. Sauter une vitesse là. Ouais, je freine trop là. Je bloque les roues. Ah, c'est sympa ce petit Peugeot. Le bruit, j'adore. Hein. Ouais, ça glisse là un peu. Ouais, ça bouge là. On a du mal à la faire tourner quand même. Hein.
Ah, le sourire. Ouais, il neige un peu là. Ouais, les freins. Ah, il flotte. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est moi qui fais le con là. Ah, la réverbération là. Ah, les sensations sont pas mal, hein. Ah, là, par contre, elle est dure à faire tourner, hein. Ah, elle sourire, elle sourire. Ah, elle glisse là. Ouais. J'ai pas les bons pneus. J'aurais pas dû me mettre en hiver comme ça. Hein. Ah ouais, ouais. J'aurais pas dû me mettre en hiver. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Ça glisse. Hein. Elle sourire, elle sourire. Ah, elle est bien. Super bruit en tout temps. Ah, c'est bien.
elle part, elle part, elle part, elle part. Je bloque les pneus là. Non, ça va faire un ou deux tours. Ah, elle est sympa, hein, franchement. C'est du bon boulot. Hein. Ah, excellent. L'appel de phare. Ah, je bloque trop facilement les freins. Je vais remettre de la pression au pédalier, je crois. Ah ouais ouais. Allez, un petit dernier tour, on fera la conclusion après. Ah, c'est excellent. Ça bouge un peu, mais ça va. Ah, le sourire là. Un peu feignant sur le travail. Hein. Ah, les freins, bien, pas mal. Non, franchement, du bon boulot, c'est pas mal. Hein, elle est bien. Hein. Bon, après, je trouve que son travant est assez feignant. Là, on a du mal à la faire tourner. Mais bon, au niveau des freins, je pense que c'est au niveau de mon pédalier. Il faut que je remonte la pression, tout ça, parce que je bloque tout de suite les freins. Bon, après, j'ai pas fait de setup non plus. Hein. J'ai été tout comme ça, à l'arrache. Je l'ai laissé dans son jus. Mais même dans son jus, comme ça, elle est vachement bien. Hein. Et le son, franchement, excellent, hein, impeccable. Dommage, j'aurais peut-être pas dû prendre... en période de décembre, tout ça, en période hivernale. Parce que, bon, tout de suite, la nuit, elle était là. Et le bitume n'est pas assez chaud et je dois pas avoir les pneus adéquats et tout. Mais franchement, c'est pas mal. Sur ce pack numéro 2, pour l'instant, ce 406, c'est bien. Sur la prochaine vidéo, on verra la Laguna, comment elle se comporte. Et j'espère que, à mon avis, ça va être dans les mêmes critères que la 406. Peut-être, voire mieux, je sais pas, on verra ça.
dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit. Voilà, si vous aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu pour faire évoluer la chaîne et la faire connaître. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!